Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Bonjour tout le monde. Ah, notre fils fait la sieste. Et nous, on va se faire une grosse sieste aussi. Non, non, pas du tout. Ouais, je sais. On a sport. Franchement, je vais être honnête avec vous, ça devient autant compliqué le sport pour moi que pour lui. Ouais, ça va passer, c'est comme ça, c'est parce qu'on a enchaîné pendant 2 mois comme ça. Ouais. Voilà, bon, ben c'est bon, on est motivé à faire du sport. Alors, je vous explique quelque chose. Dans la vie, quand on n'a pas le mood, on n'a pas envie de faire quelque chose, on n'est pas. Eh bien, il faut changer le cours de ce mood. Donc, vous mettez la musique à fond, vous sautez partout, vous dansez, vous vous défoulez. Et je vous jure, ça change des choses. Allez, c'est parti, Yolima! Tu m'aimes trop quand je danse, je le sais. À chaque fois, il me filme. En fait, voilà, je fais ça parce qu'il est en train de me filmer. Parce qu'en fait, il passe son temps à se moquer de comment je danse. Mais ce qui se passe, c'est que le jour là où on va se marier avec les gens, quand on va faire notre duo, laisse tomber, on va être Patrick Suarez avec... Patrick Suarez. Celui de... c'est un mec... Bon, j'ai mis toutes mes petites lunettes comme ça, j'ai acheté un range lunettes. Voilà. Tout ça, c'est le petit lunettier, je les aime trop. Je vous les présenterai, je vous les montrerai la prochaine fois. Je les adore, je les ai reçus, je suis fan. Basket, basket, basket de sport. Alors, je vais même vous raconter quelque chose. C'est que carrément, mon coach de sport, il a vu qu'on commençait à être au bout de notre vie du sport. Il nous a laissé 2 mains de off. Il a dit, bon, allez, vas-y, on va vous enlever un jour. Normalement, c'est 4 jours par semaine. Là, exceptionnellement, on aura vendredi. Ça veut dire qu'on a qu'aujourd'hui, en fait. Donc, du coup, pour la séance d'aujourd'hui, on peut être motivé. C'est la dernière de la semaine. Je me motive, à chaque fois je me rallonge. Là, vous allez me retrouver sur mon canapé dans 2 minutes, hein, je le sais. Oui. 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 Qui peut te stopper réellement? Qui peut te stopper? Les gars, j'en peux plus. J'ai envie d'abandonner. C'est pas vrai. Mais j'ai pas le droit. S'ils me surveillent. Là, je suis à 2 doigts de faire une crise d'anémie. Genre, j'ai plus de vitamines dans moi. Ils me croient pas que je vois blanc, je vois des paillettes. C'est pas obligé. Ouais, c'est pareil. J'en peux plus. Les gars, c'est écœurant le sport. En plus, quand tu vois le soleil, la piscine et tout, genre, moi, je suis là à faire des leggings, s'il te plaît. Heureusement que t'as mis à ton coach. Hein. Ouais, c'est ça. En ce moment, je peux plus me le voir. C'est pas vrai, tu me vois. Je veux arrêter le sport, mais je vais pas abandonner. Parce que je veux des fesses comme ça. Chérie, il y a des gens, ils m'ont dit que je dansais trop bien sur ton clip et ils m'ont proposé de le faire avec toi. Vas-y, tu acceptes? On fera des vues. Tellement dégueulasse. Chérie, c'est à toi de faire du sport. Tu vas faire les jambes. Ben alors, qu'est-ce que tu dis à maman? Sa nouvelle passion, c'est de faire ça. Tu le fais pas du coup? À ma vie. Hop. Hop. Tu dis à maman? Ce bébé, c'est mon fils. C'est mon fils. Ben oui. Abu. Quoi? C'est le jouet? A pu quoi? Quoi a pu? Il te plaît ce jeune, hein? Ah mon fils, je sais pas pourquoi.
Là, il a le jaune dans la main, mais il adore le violet. Genre, toute la journée, il joue avec ça. Voilà. Avec ça. Voilà. Et avec celui. Donc, j'ai acheté ça la dernière fois, mais il veut jouer qu'avec lui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il passe sa vie à quatre pattes. Voilà. Maintenant, Mylon, il est toujours à quatre pattes. Hein, Mylon? Oh. Qu'est-ce que tu... Il y a plein de personnes qui me demandent quand est-ce qu'on s'est marié. Parce que oui, je suis mariée, on est mariés. Nous, on l'a pas médiatisé, mais on est mariés. Alors, je sais pas pourquoi ils ne le savent pas. Ceux qui ne me suivent pas. Mais en fait, on est mariés depuis longtemps. Depuis décembre, pas le dernier, celui d'avant. Un an et demi. Voilà, ça fait un an et demi, on est mariés. Voilà, c'est mon mari. On n'a pas encore fait la fête. On voulait la faire cette année. En fait, ça m'a perturbée parce que je voulais calculer l'année. C'est 2018, du coup. Si là, on est en 2020. L'année dernière, on était en 2019. Donc, en 2018. Voilà. Je sais pas trop. Je sais pas faire des moins 2, moins 3. C'est trop dur, moi. Et les multiplications et les années aussi, j'arrive pas. Genre, si tu me dis je suis née en 53, je sais pas quel âge t'as. Si tu me dis je suis née en 64, genre... Et je suis incapable de sortir quelque chose. Bref, c'était une petite parenthèse. Et en fait, donc on s'est mariés en petit comité. Et en fait, on voulait faire la fête. Mais après, il y a eu Mylon, il y a eu les problèmes de Mylon, et du coup, je pense qu'on... Donc voilà, on fera la fête sûrement l'année prochaine, parce que je vais faire une petite fête avec juste les amis, la famille, enfin voilà, quelques personnes. Je veux pas non plus que ce soit un truc de ouf, hein. Je veux un truc simple, juste que j'ai, voilà, que j'ai ma fête, que j'ai ma robe. Mais sinon, je suis déjà mariée. Voilà. J'ai la plus belle demande en mariage du monde. C'était extraordinaire. J'aimerais trop qu'ils me demandent en mariage tous les jours. C'était trop bien. Voilà, c'était à New York, à la patinoire, en bas de l'arbre de Noël, pendant les fêtes de Noël. C'était juste exceptionnel. Mais je veux la fête, je veux ma robe, mais ça, c'est pas de suite. Mais ça va le faire, ça va se faire. Donc voilà, on fera la fête sûrement l'année prochaine, parce que je veux faire une petite fête avec juste les amis, la famille, enfin voilà, quelques personnes. Je veux pas non plus que ce soit un truc de ouf, hein. Je veux un truc simple, juste que j'ai, voilà, que j'ai ma fête, que j'ai ma robe. Mais sinon, je suis déjà mariée. Voilà, j'ai la plus belle demande en mariage du monde. C'était extraordinaire. J'aimerais trop qu'ils me demandent en mariage tous les jours. C'était trop bien. Voilà, c'était à New York, à la patinoire, en bas de l'arbre de Noël, pendant les fêtes de Noël. C'était juste exceptionnel. Mais je veux la fête, je veux ma robe, mais ça, c'est pas de suite. Mais ça va le faire, ça va se faire. Du coup, toi aussi, t'es tracassée. J'ai dit que moi, des fois, je faisais des angoisses parce que d'un coup, je me sentais angoissée. Et du coup, ben, je l'ai angoissée. Un peu. Mais non, ça va, chérie. Non, ça va, aller, tranquille, il n'y a rien de fou. Hein. Non, mais en plus, il n'y a rien de fou, mais on était malade. Non, je dois, Mylon. T'es squishy. Attends, t'as pété un cap, toi. Plus de sport, boule à mal. Si, c'est ce qu'on fait. Ouais, mais tu as envie de. Niveau bouffe, t'as envie d'en péter, là. Voilà, c'est. Je connais. Mon regarde ce bon vieux pouce. Ça va, mon cœur. Maintenant, il est mort. Et il fait très, très mal. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on va voir. Il fait trop mal avec ses dents. Je vous jure, il démonte. Alors, j'ai une nouvelle envie en ce moment. Alors, j'ai un piercing ici. Ici, de là. J'aurais peut-être envie de faire un petit troisième ici. Et un autre. Juste là, j'hésite. Pas en haut, parce que peut-être là. Ici. Ou à l'intérieur, là-haut. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'aime bien.